Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous, et je me connais moi-même dans certains qui regardent sûrement aujourd'hui, qui sont dans le retard de la promesse et qui se sentent comme ils l'ont manqué. Ils auraient dû épouser cette personne, ils auraient dû prendre ce travail, ils auraient dû donner ça, ils auraient dû se mobiliser. Et ils peuvent parfois avoir l'impression que le rêve s'éloigne. Et j'ai appris, et j'apprends même au milieu de la Covid et de toutes ces choses que nous vivons, que nous pouvons avoir l'impression de manquer quelque chose. Et pourtant, je crois que Dieu ramène les rêves de manière surnaturelle, et nous devons vraiment nous appuyer sur cela. Quand j'étais une jeune femme, je me souviens que je voulais vraiment faire la volonté de Dieu, abandonner ma vie, mais je voulais savoir ce qu'il voulait que je fasse. Et c'est vraiment difficile. Je pense que quand on est jeune, on se dit « Dieu, je veux le faire ». Mais si mon mari est là, ou si ma vocation est ici, et donc à ce moment-là de ma vie, je faisais des ménages. J'ai donc été femme de ménage pendant 6 ans, et j'ai créé ma propre entreprise avec ma sœur. Et je voyageais et parlais le week-end. Je payais donc mon carburant. Je partais et voyageais, et nous parlions à ces petits groupes de jeunes, de 8, 10 personnes. Et nous avions des résultats positifs, il y avait 12 personnes, et donc, c'est ce que j'ai fait. Et encore une fois, je ne connaissais rien de mieux. Alors je me suis dit, je vais le faire n'importe où. C'est un peu comme ça que ma vie était. Donc ma sœur et moi, enfin j'ai une sœur jumelle identique, et nous sommes ces jumelles californiennes, et nous allons de haut en bas de la côte californienne, et nettoyons ces grandes énormes maisons, et puis nous revenons et exerçons notre ministère. Et donc, il y a un moment donné, vers 19 ans, et ça, cela fait quelques années, j'ai été invitée à être pasteur dans une église, une petite église en Californie du Nord. Pas pour être le Seigneur, mais pour venir et être l'un des pasteurs. Et j'étais tellement excitée. C'était mon grand moment. J'allais avoir ma grande chance. J'avais souffert pour le Seigneur pendant 2 ans. Et maintenant, je vais avoir 2 ans. Et ça y est. Ça va être ça. Mais j'étais vraiment anxieuse car mes parents et ma famille venaient d'implanter une église. Et donc, je faisais partie de cette implantation d'église. Et nous avons vu Dieu commencer à faire grandir cette église. Et nous étions l'une des 500 meilleures églises en Amérique qui était dans ce modèle de croissance. Nous avions tous ces services et je pouvais faire ce que je me sentais appelée à faire. Mais j'ai reçu cette invitation à aller ailleurs. Je suis donc désemparée car je ne sais pas ce que Dieu me dit. Je suis jeune et je ne sais pas ce qu'il me dit. Et donc, je me souviens que je ne savais pas quoi faire. Alors, j'ai fait une pause et je ne voulais pas m'engager à y aller et je ne voulais pas m'engager à rester à la maison. Et je le sentais bien, c'est tout. C'était à l'époque où je n'avais pas encore la vie par glissement et qu'on pouvait choisir autre chose. C'était un peu comme la vie de téléphone. Quoi qu'il en soit, je suis assise et je suis désemparée. Je me souviens que cette femme prophétique qui est entrée et je me disais, si je pouvais juste attendre la prophète, elle me dirait quoi faire parce que ça va tout résoudre. Laissez-moi juste aller voir le prophète. Alors, elle arrive, j'attends pendant tout le service et à la fin, je lui dis, écoutez, et je lui explique tout de manière la plus éloquente possible. C'est ça et ça, et j'ai cette option, et toutes ces choses. Et j'ai dit, que pensez-vous que je devrais faire? Auriez-vous l'impression que Dieu vous a dit quelque chose? Et elle me dit, je ne sais pas, que veux-tu faire? Et je lui dis, non, non, tu n'as pas compris. Ce que je veux dire, c'est que j'ai 2 options, et Dieu est dans l'une d'elles. Et j'ai juste besoin de... Je dois découvrir où il se trouve. Et elle me dit, eh bien... Tu te tiens juste sur le seuil. Tu ne sais pas quoi faire et Dieu ne peut rien bénir si tu ne bouges pas. Et je dis donc, ok, je suis maintenant à ce moment, eh bien, est-ce que je veux y aller ou est-ce que je veux rester? Eh bien, je commence à avoir ce sentiment que je ne suis pas censée y aller. Et je ne sais pas pourquoi, parce que ça n'a pas de sens. Je suis censée y aller. C'est la prochaine étape du ministère et je suis censée le faire. Et j'entends le Seigneur dire, et je le sens, que je ne suis pas censée partir. Je le sais juste. Alors, je le dis finalement, je ne peux pas. Je suis désolée. Merci pour l'opportunité, mais je vais rester ici. Pendant ce temps, l'église qui m'a invitée à venir est passée de 800 personnes à un ministère mondial massif de milliers de personnes. L'église compte 12 000 personnes à ce stade. Et leur musique est diffusée dans le monde entier. Et je suis cette petite église qui reste ce qu'elle est. Cette petite église. Et c'était un peu le « j'aurais pu y être » et toutes ces choses sont arrivées. Et je me souviens m'être vraiment battue. Je t'ai manqué, Dieu, parce que tu es comme le gars avec qui je ne suis pas sortie. Et puis il se marie et fait... Je veux dire, j'aurais pu me railler, mais je ne me suis pas raillée pour cet homme. Et donc, tu as ce genre de choses comme j'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait, et j'ai manqué des opportunités. Et je me suis vraiment battue avec le Seigneur à ce sujet. Et je ne l'ai pas compris, jusqu'à ce que je commence à comprendre que Dieu m'avait parlé. Et j'ai pensé, eh bien, je n'ai jamais eu le signe, je n'ai jamais eu de miracle, je n'ai jamais eu le rêve. Alors comment puis-je savoir? Et ce n'est que lorsque j'ai commencé à comprendre comment Dieu nous parle, j'ai compris à quel point c'était clair. La façon dont j'aborde la question sans vouloir insister sur l'idée, c'est qu'il y a ceux qui savent ce que Dieu dit, et ceux qui écoutent, et ceux qui entendent Dieu en quelque sorte. Il y a des voyants,
des visionnaires, ceux qui ont une image et ceux qui se dirigent vers elle. Et puis il y a ceux qui ressentent, ceux qui sentent une grâce tangible et une émotion venant du ciel et qui se penchent dessus. Et, eh bien, je suis un connaisseur. Je savais que je ne devais pas y aller, mais je ne savais pas que c'était la voix de Dieu, parce que je n'avais pas les idées claires. Je ne savais pas comment il nous parlait. Eh bien, avance rapide, 2008 arrive, et la récession se met en place. Si vous êtes en Californie, c'est dévastateur. La moitié de mes amis ont perdu leur maison, et ont fait faillite, et nous avons perdu notre travail. L'église qu'on avait fondée, on a perdu notre travail, on a 4 enfants, et je suis dévastée. Et si vous avez déjà été dans cette situation, je pense que notre monde connaît un peu cette partie où vous pensez une chose et une chose mauvaise peut arriver. Mais avoir tout dans la même série. Et je me souviens avoir reçu un coup de fil, être allée dans ma chambre, avoir pleuré et avoir dit « Mon Dieu, je ne t'ai jamais dit non !» Comme si j'avais fait tout ce que tu m'avais demandé de faire. Et maintenant, j'ai l'âge. J'ai la trentaine, j'ai 4 enfants. Clairement, je ne peux pas en rendre un. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai entendu le Seigneur. J'ai dit, que veux-tu que je fasse? Tu m'as demandé de rester. Tu m'as demandé d'être ici. Et maintenant, tu me quittes, tu m'abandonnes. Et je n'étais pas en colère. J'étais juste désemparée. Et je ne sais pas quoi faire. Et j'ai entendu le Seigneur. J'ai dit, que veux-tu que je fasse? Et je me souviens qu'il m'a dit, je veux que tu fasses du poulet. Et je suis allée, et je me souviens qu'avec le sarcasme de la Californienne en moi, j'ai dit, tu fais du poulet. Et il a dit, je l'ai fait. Et j'ai dit, non, 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 je veux dire, non. Et il dit, je veux que tu fasses du poulet. Et je dis, tu veux que... comme repas? Et la fille, oui, tu fais un très bon poulet. Je pense vraiment que tu devrais faire ton repas de poulet. Et j'ai dit, bien. Je me souviens, je me suis levée avec mes 4 enfants autour de moi, et j'étais en train de guérir suite à ma 4e césarienne. J'essaye d'allaiter le bébé. Ben est au travail, et je prépare le poulet. J'allume les bougies, je mets mon Frank Sinatra, et je suis prête à le voir rentrer. Et Ben passe la porte. Il me regarde, et sait que sa femme, ce n'est pas un bon jour pour elle. Et il a dit, tu veux en parler? Et j'ai dit, non. Je veux juste manger notre dîner de poulet et m'asseoir et prendre un repas. Et puis nous pourrons en parler plus tard. Alors on s'est assis, on l'a fait, on a nourri tous les garçons et mon mari, et nous avons mangé le poulet, et à la fin de la nuit, nous avons mis nos enfants au lit et nous nous sommes assis sur le canapé et nous avons commencé à parler de notre avenir. Et je vais vous dire, au moment où je me suis levée pour préparer le poulet, c'était comme si tout était devenu paisible, même si rien n'avait changé. Et c'est comme ça que tu le sais. La grâce surnaturelle de Dieu. Mais ce que je ne savais pas, c'est que Dieu avait déjà préparé un endroit où aller. Et un peu moins d'un mois plus tard, Dieu m'a envoyée dans la même église qui m'avait demandé à l'âge de 19 ans d'être directrice de leur mouvement. Et maintenant, le pasteur des femmes de cet endroit. Et je peux aller dans le monde entier, sans avoir participé à la croissance, mais en bénéficiant de l'abondance de cette croissance, tout en restant là où Dieu m'a appelée. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous, et je me connais moi-même dans certains qui regardent sûrement aujourd'hui, qui sont dans le retard de la promesse et qu'ils se sentent comme ils l'ont manqué. Ils auraient dû épouser cette personne, ils auraient dû prendre ce travail, ils auraient dû donner ça, ils auraient dû se mobiliser, et ils peuvent parfois avoir l'impression que le rêve s'éloigne. Et j'ai appris, et j'apprends même au milieu de la COVID et de toutes ces choses que nous vivons, que nous pouvons avoir l'impression de manquer quelque chose. Et pourtant, je crois que Dieu ramène les rêves de manière surnaturelle et nous devons vraiment nous appuyer sur cela. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.